Bokor Tov Rabotai, le jour de Shavuot, c'est le jour de la Iloula de Moreno Arav, Rabbi Mordechai, Emish Chamosh HaKohen. C'est aussi la Iloula de David HaMelech, de Baal Shem Tov. Mais nous, on va parler d'un des géants des rabbanim de Tunisie. Alors maintenant, déjà, pour parler de son nom, c'est vrai pour ceux qui le connaissent, on l'appelle tous Rabbi Meish HaKohen. C'est quoi Meish? Moi j'ai toujours pensé Meish, c'est un peu, c'est Khmeish, on dit au lieu de Khmeish pour ne pas dire 5, c'est Meish. Mais j'ai vu que dans son nom, il y a aussi le nom Khamosh. Ah, pourquoi Bemet Meish? Alors on dit parce qu'il était tellement aiguisé dans l'étude de la Torah qu'on l'appelait Meish. C'est quoi Meish en arabe? C'est Mosh Zrir, un canif, un petit couteau. Donc il était très aiguisé, c'est-à-dire dans les discussions, dans les raisonnements, il était tellement connu par sa force, alors ils l'ont appelé Meish. Et son père, il l'a appelé Chamosh plus tard, parce qu'à la base, il s'appelait que Mordechai, parce que comme il a brillé dans l'étude de la Torah, il avait peur sur lui de Aynara. Maintenant, Rabotai, celui qui entend, il va se dire, certainement, s'il était tellement fort et puissant dans l'étude de la Torah, alors certainement déjà dès qu'il était petit, il a brillé dans le Talmud Torah par rapport à ses amis de classe. Alors Rabotai, c'est faux. Alors on dit que quand il était jeune, il n'avait pas un grand niveau dans l'étude de la Torah, au point que son père, il voulait le sortir de la yeshiva pour qu'il aille faire un travail. Et là, de l'autre côté, il y a le rab, Rabbi Moshe Zaken Mazouz, qui était le dayan de l'époque. Il a envoyé à son père, il lui a dit, Rabbi Ishaq, fais attention, ne le sors pas, tu verras, ça sera un très grand Talmid Hacham. Et Baruch Hashem, il a laissé la yeshiva et il s'est développé dans l'étude de la Torah. On va parler un petit peu, donc, de quelle manière, comment il avançait et son assiduité dans le limoud. Mais je veux dire quand même un mot très important par rapport à ses parents. Ses parents, ils s'appelaient Rabbi Ishaq à Cohen et sa mère, elle s'appelait Ajija. Je dis le nom de sa mère pour que demain, le jour de Shavuot, on lui fait la Askara et on n'oublie pas le nom de sa mère. Alors on dit que son père, Rabbi Ishaq, quand il est arrivé à l'âge de mariage, on lui a proposé beaucoup de filles. Sa mère lui dit, mon fils, tiens, voilà, tu es arrivé à l'âge de te marier, vas-y, marie-toi. Il lui dit, maman, donne-moi la liste de toutes les filles que tu penses, tu veux me proposer pour que je puisse choisir, et moi je te dirai. Sa mère dit, d'accord, pas de souci. Elle lui donne le premier nom, il prend le nom de la fille, il met sous son oreiller, il dort. On lui dit dans le rêve, non, celle-là, elle ne te convient pas. C'est bon, on va dire, c'est pas, on va dire, ne te convient pas. C'est pas ton mazal. Deuxième, troisième, jusqu'à un jour, on lui a donné donc le nom Ajija, qui est sa femme. Et il dormait, on lui a dit, celle-là, c'est avec elle que tu vas te marier. C'est ça ton mazal. Il s'est réveillé, il a dit à sa mère, maman, je veux me marier avec cette fille. Alors sa mère, elle lui a dit, mais mon fils, comment tu décides comme ça, tu veux te marier, tu ne l'as pas vu, tu ne la connais pas. Elle lui a dit, écoute maman, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Sheikh Rahin Yivelayahouf, Ishaïrat Adonai et Titalal. C'est du ciel, on m'a dit, c'est mon mazal. Donc moi je ne me pose pas la question. Et bien quand j'ai entendu cette histoire, alors un message très important aujourd'hui pour les jeunes, aujourd'hui combien ils traînent quand tu vas parler avec un garçon, une fille, elle dit non, je ne le sens pas, je ne sais pas, je ne le sens pas. Et elle dit vas-y marie-toi, le temps il passe, on perd du temps et après les gens quand ils prennent de l'âge, ils voient qu'ils sont en retard, ils regrettent, ils disent, mais vraiment, pourquoi on a tardé jusqu'à ce moment-là? On a perdu notre temps. Hasbi shalom, il faut rabotaille à partir du moment qu'il s'agit d'un garçon qui est bien ou une fille qui est bien. Il faut avancer. Et comme on dit, M'shem Hashem, l'Asse Ben Astia. Donc voilà le modèle. Et on va voir c'est qui, Rabbi Meish HaKohen. Alors maintenant, on a dit que lui n'était pas brillant dans l'étude, mais il s'est marié à l'âge de 16 ans. Et on raconte que dès qu'il s'est marié, il s'est transformé en une autre personne. Et Bli Aynara, il a commencé à monter très très fort dans les mots de la Torah. Pourquoi? C'est marqué, la Gemara le rapporte. On dit quand quelqu'un il se marie, il a Yeshuva Da'at, il a l'Akdusha. Jeune déjà comme ça, il n'y a pas de Hirurim, il n'y a pas de Hasvichan, des mauvaises pensées.
Et on dit qu'il a commencé à étudier, il s'est marié, il étudie, et son père, il lui assurait sa parnassa. Lui, il était le Hara al-Kubira, il allait jusqu'à le Hara al-Sghira pour étudier chez Rabbi Moshe Zakin Mazouz. Alors lui, son vrai rave, c'est Rabbi Yoshe Barabbi. Il était dans la même classe, donc Rabbi Mish, avec Moreno Rabbi Khalfoun et Rabbi David Yonatan Hakoen. Il faisait alors 7 km pour aller jusqu'à Hara al-Sghira pour étudier la Torah. Il était connu par son assiduité dans les moudes. Et on dit qu'il dormait à peine de 2 heures à 3 heures. Encore une fois, Rabotai, moi quand j'ai lu des histoires sur lui, sa biographie, j'ai vu que en fait tous les rabbanim, que ce soit dans les pays ashkénazes, que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, en Israël, n'importe où dans le monde, ils avaient tous le même chemin. Des fois, on est impressionné par certaines attitudes de certains rabbanim et on voit qu'en vérité, c'était le cas de tous les grands de la génération. Et nous, on doit prendre exemple de ces gens-là, de ces grands-là. Alors, on dit que lui, il dormait à peine 2 heures à 3 heures. On raconte, lui, il étudiait beaucoup avec Rabbi Rabotai. Tout ce que je dis, c'est des histoires que j'ai entendues. Il y a Rabbi Aaron Mazouz, il y a le petit-fils de Rabbi Mish, Rabbi Benyamin, à Cohen. J'ai lu un petit peu, donc je rapporte ce que j'ai entendu. Alors maintenant, on dit que lui... Alors, il étudie beaucoup avec Rabbi Khalfoun. Alors, il était dans on appelle l'Alil. C'est comme un petit bête midrash. Ils étudiaient et ils restaient le soir jusqu'à 9h du soir. Et tout le monde partait rentrer. Il faut bien s'occuper de sa maison. Il faut manger. Ils étudient seuls aussi à la maison. Alors, une fois, il a fini son limoud à 9h du soir. Donc, son haver, donc le Talmid Hakham qui étudiait avec lui, il est rentré. Le lendemain matin, à 5h, 5h30 du matin, il y avait la personne qui ouvrait la synagogue. Elle ouvre la synagogue, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y avait une personne, une silhouette d'une personne, à côté donc du qandil. À la synagogue, il aimait toujours des bougies pour les tzadikim, pour les nifsarim. Il s'approche, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Rabbi Mish à Kohen. Rabbi Mish, il dit, dis-moi, quoi, il est 10h du soir maintenant? Il dit, Rabbi, il est maintenant 5h30 du matin. Il est resté depuis 9h du soir jusqu'au petit matin étudier sans se rendre compte que la nuit elle est déjà passée. Et ça, Rabotai, ça m'a rappelé une histoire avec Bakr ibn Abi Yusuf qu'on a raconté dans le passé. C'est ça, ça déprime. Alors on raconte alors sur lui. Alors il a brillé. Donc il était à Djerba pendant des longues années. C'était lui le rab de la ville. Il est parti à Tunis. Il y a le rab Rabbi Israël Zetoun qui l'a nommé le chef des rabbanim. Et après, plus tard, Rabbi David Ben Baron, qui était le grand rabbin de Tunisie, donc il a pris avec lui dans le Beit Din. Et quand Rabbi David Ben Baron est l'Eniftar, c'est lui qui a pris sa place. Alors il était très connu, on dit à Djerba, dans l'anim de les Halakhot de Nida, et aussi dans les Denis de Gittim. Rabotai, on va raconter quelques histoires, quelques anecdotes sur lui, pour voir sa puissance. Déjà, on va parler donc de Sakdusha, c'était un Kadosh Elyon. Alors c'est une histoire, comme on dit, de source officielle. C'est une histoire qu'il a racontée à Manoah Harbe Noah Hanina Trabalsé. Donc c'est quelqu'un que, bon, on connaît. Zekhonon le Baracha. Alors lui, c'était un commerçant. Et tout le temps, quand Rabbi Mish devait voyager, il appelait, il partait avec lui. Et une fois, Rabbi Hanina, il était comme, il voyageait beaucoup. Il était de retour d'un voyage. On vient lui dire que le rab, il a besoin d'un déplacement. Il a dit, bien sûr, le rab, il veut, il voulait pas lui dire qu'il pouvait pas. Il dit, bien sûr. Il raconte que quand ils étaient dans le voyage, il était très fatigué, pratiquement il s'est endormi. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il allait entrer sur, il y avait une grande charrette pleine de gens avec de la marchandise. Il a eu très peur. Il a dit, ça y est, Chimchouan, il va entrer dans Chimchouan. Lui, le rave, ça y est, il était dans un état de danger. Il tourne la tête, il voit que le rave est somnolé et ses lèvres, elles bougeaient. Il a crié. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main ou deux mains qui venaient du ciel. Ils ont pris la charrette, ils l'ont mis de côté et la voiture, elle a pu passer sans aucun problème. Il tourne la tête vers le rave. Le rave, il le voit. Alors, il dit au rave, Rabbi, Nis, il dit, qu'est-ce? Il a dit, Rab, j'ai vu, voilà. Il a dit, fais attention. Ne raconte ça à personne. Tu racontes ça seulement après son décès. Parce que, certainement, le Rab, c'est sûr
que le Rav il avait fait savoir avec la Kabbalah pour que Hasbi Shalom, donc il n'y a pas eu cet accident. Pour dire la Kedusha du Rav. Alors il faut savoir qu'il était apprécié, bien sûr, par la communauté, mais aussi par le président, l'ancien président de la Tunisie, c'est le président Bourguiba. Alors le président Bourguiba, il a connu, déjà il a vu sa puissance, et ça a été toujours le cas. Malheureusement, il y a certains qui ne comprennent pas, mais ça a été toujours le cas, ils ont compris la puissance des rabbanim et aussi les juifs. Le Bourguiba, il était malade. On raconte qu'il y avait une fois, il était malade, il y avait beaucoup des personnalités politiques de partout, ils sont venus pour lui rendre visite. Il y avait 70 voitures qui attendaient, donc à côté du palais, et il y avait le garde, il prenait le nom de chaque personne et il transmettait au président pour dire qui faire entrer. Et parmi les gens qui sont venus, il y avait aussi Herbie Mich qui était aussi avec son chauffeur. Alors, ça n'a pas tardé, une fois qu'on a donné le nom du rab, le garde, il vient, il dit, Herbie Mich, entrez, le président, il vous appelle. Il est entré chez lui, il lui a dit, s'il te plaît, fais-moi une bracha, je sais que ta bracha, elle est très puissante. Alors, le petit-fils de Herbie Mich, il raconte, il dit qu'il y avait une fois, Bourguiba, il était avec Jamal Abdel Nasser, sonné Israël. Et Herbie Mich, il est entré. Quand Herbie Mich est entré au palais, Bourguiba, il s'est levé devant lui. Abdel Nasser était très étonné. Il dit, quoi? Il se lève devant un juif. Il lui a dit, tu as intérêt de respecter les juifs. Je veux te dire une chose. Si lui, Bourguiba, il est en vie, c'est grâce aux bénédictions d'Herbie Mich à Cohen. Parce que le Alim avait une maladie. Et Herbie Mich, il a béni. C'est marqué, il a béni aussi avec les élèves pour qu'il sera épargné. Il lui a dit, si la Tunisie tourne et ça marche, ça se le, c'est grâce aux Juifs qui sont là. Et là, Rabotaï, c'était des gens qui ont connu la valeur des tzadikim. Bon, Rabotaï, il y a beaucoup d'histoires, on va arrêter là. Mais pour dire, Rabotaï, c'est un Kadosh Alion, donc c'est le jour de Shavuot. Donc, il faut étudier aussi l'Alion Nishmato, faire des barakot Nishmato et prier à Kadosh Baruch que ces tzadikim. Ils feront des tuyaux pour nous, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il arrête cette épidémie, et que la vie entre dans l'ordre, et qu'on soit zoché, bezat Hashem, les haks, sameach, et la goulash lima, b'mihra, b'amenu, amen, kina rasson, hesko, emso.